Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. J'avais dit que je le ferais pas, je l'ai fait. Je me suis fait une pack pour le mois d'avril. Est-ce que je vais la respecter? Je sais pas, mais je me suis dit que j'allais vous la partager parce que je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup. Donc, vous allez voir que elle est là, la grande pack. Bon. Je me suis pas trop aventurée dans des livres Amazon. J'avais envie de colorier dans mes beaux livres ce mois-ci. J'ai envie de me faire plaisir. Donc, vous allez voir. Peut-être que je vais pas tout faire. Et là, je vais faire la vidéo face cam aussi. Donc, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas, hein. Donc, j'ai choisi quelque chose dans le Fragile World. Et là, ça veut pas dire que je vais tout faire ce que j'ai choisi dans Kirby Rosanne. Parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo. Où je fais un Kirby Rosanne. Je suis désolée, c'est parce que là, je reçois des messages en même temps, donc je suis un petit peu perdue, comme d'habitude finalement. On m'a demandé de faire une vidéo sur un Kirby Rosanne en entier sur ma chaîne. Donc là, il va y avoir un sondage dans la banque colo de Zazu. Et là, au moment où je vous fais cette vidéo, je ne sais toujours pas quel sera le colo choisi. Donc, je vous montre les trois colos. C'est certain qu'il va en avoir un des trois qui va être fait ce mois-ci. Donc, j'ai choisi le guépard, hein, c'est pas une surprise pour personne. Donc, je sais pas si ça va être celui-là. Ensuite, dans le World Within World, j'ai choisi les petits flamants roses. J'ai bien envie de le faire, mais ça va dépendre de la banque colo d'Azur, hein. Pour les Kirby, j'en fais juste un par mois, ça va être bien assez. Surtout de le faire en vidéo, ça va être long. Et j'ai aussi choisi le dragon. Là, je vais encore baisser ma lampe parce que c'est dérangeant pour vous. Voyez, le petit dragon ici. Donc, je vais en faire que un, hein. Je sais qu'on peut faire une double page, mais je ferai l'autre plus tard parce que je ne fais pas une double page Kirby Rosanne en vidéo. Non, 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 non. Mon mari va vouloir m'étrangler. Ensuite, je vous montre. Oups, bon, toutes mes petites cartes ont tombé. Le colorion ensemble de ce mois-ci va être dans le vitraux. J'avais fait la sélection de 5 livres et c'est le vitraux qui a eu le plus de votes dans la banque colo d'Azou. Donc, vous aurez un vidéo entier sur un vitraux. Le colo que j'ai choisi, je vous le montre, c'est celui-ci. La petite maman marraine, je sais pas trop. Je sais qu'elle est dans la fée clochette. Avant de vous faire la vidéo, je vais devoir aller regarder les couleurs parce que je suis pas certaine. Mais vous allez voir que moi, j'aime bien modifier les vitraux. Donc, ça se peut qu'elle soit pas trop identique à ce que ça s'est ressemblé. Ensuite, dans mon Fairy Miracle, j'en ai choisi plusieurs. J'ai choisi les lapins, ici, les petits lapins qui volent, parce que ben ça fait partie de notre thème du mois, faire des lapins, des poussins. J'ai choisi le petit dragon qui mange des baies. J'ai envie de le faire tout blanc. J'ai une bonne idée pour le faire, donc je vais voir. Ensuite, j'ai choisi celui-ci, la petite sirène. Mais celui-là fait pas trop partie de mes priorités. Je ne sais pas si je vais le faire. Ensuite, celle-ci avec la robe tout fleurie. J'ai vraiment envie de la mettre en couleur. Ensuite, j'ai choisi cette page-là parce que je sais pas, j'ai envie de faire de la nature, faire les petits champignons dans l'arbre, utiliser mes drawings. Je pense que je pourrais bien m'amuser. Donc voilà mes sélections pour le Fairy Miracle de ce mois-ci. J'avais dit que je le laisserais de côté, mais impossible. Je le reprends à chaque mois. Donc, qu'est-ce que j'ai sélectionné dedans? Bien sûr, j'ai sélectionné encore une fois le lapin. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné la poire ici avec ben, la couture. Et j'ai sélectionné celui-là avec la petite souris avec le bain. Donc, voilà pour le Fairy Miracle. Ensuite, dans le Fairy Touch of Magic, j'en ai choisi plusieurs dans celui-là aussi. J'ai choisi le lapin, bien sûr. C'était évident que j'allais le faire. Ensuite, j'ai choisi celui-ci, la petite dame avec le homard. Et pour finir, ben, j'avais mis celui-là le mois passé dans ma pack, donc je l'ai laissé dedans.
Ça fait 3 mois que je veux le faire, puis je le fais pas. Est-ce que je vais le faire ce mois-ci? J'en ai aucune idée. Là, j'ai tout qui est tombé. Les signets. Je vais vous montrer les petites cartes. J'ai aussi sorti des petites cartes de Clara Markova que j'ai envie de faire. Donc, il y a la petite licorne ici. J'ai pris la dame, je l'appellerai la dame aux fraises. Ensuite, il y a celui-ci avec le cadeau et la grosse tulipe. J'ai vraiment envie de le faire. Et ben, la dame, encore une fois, avec ses fameux macarons que je veux toujours faire et que je ne fais jamais. Donc, voilà pour les petites cartes de Clara Markova, ce que j'ai sorti. Ensuite, dans le Magical Delight, j'en ai sélectionné aussi plusieurs. Et là, je suis inspirée. Finalement, pour faire ma page de nom, je vous avais dit qu'elle ne m'inspirait pas, mais là, ce mois-ci, elle va probablement être mise en couleur. Je vais la faire avec les Derwent Intense. Ensuite, j'ai sélectionné celui-ci qui est assis dans son petit chariot. Ah là, mon Magical Dame, par exemple, est en bas. J'ai des sélections dedans, mais c'est pour rattraper les filles dans Colorion Magical Dame dans le groupe Instagram. Donc, je vous les avais déjà montrés. Ensuite, j'ai sélectionné celui-là. Celui-ci. Et pour terminer dans ce livre-là, j'ai sélectionné celui-là avec les champignons. Donc voilà. Ensuite, pour terminer avec Clara Markova, j'en ai sélectionné dans le Tenderfoot Enchantement. Hein, je les ai toutes sorties. Donc j'ai pris celui-ci. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Le petit moulin. Ensuite, j'ai pris le canard, bien sûr. J'ai pris le petit canard pour Pâques. Donc, oh, j'en ai choisi un autre, ça a l'air. Ah ouais, le gâteau. Mais je ne sais pas si je vais le faire celui-là. Donc, on verra. Donc, c'est fini pour Clara Markova. Maintenant, bien sûr que j'ai sorti mon Luna. Hein, je vous ai dit que je vais l'avancer au maximum. Et regardez-moi tous les papiers que j'ai mis dedans. Je capote sur ce livre, franchement. Et je suis trop contente de l'avoir en plus en édition Muse. Le papier, là, c'est vraiment un charme de colorier là-dessus, je sais, je suis la première à vous dire, ah, oh, moi, le papier, je m'en dérange pas, mais, hein, quand on peut avoir une édition Muse, hein, on en profite. Donc, mais comme je vous avais dit, hein, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre-là et ça m'a vraiment fait débloquer d'aller dans mes Maria Trolls. Parce qu'avant, je sais pas, à chaque fois que je faisais des Maria Trolls, j'avais toujours l'impression que je les ratais. Donc, ben, je suis contente parce que ça m'a fait débloquer. Donc, j'ai choisi celui-là, la petite fille avec toutes les fleurs. Là, je ne sais pas ce que je veux ces temps-ci. J'ai envie de faire des fleurs, des fioles magiques. Je m'amuse comme une folle à faire des fleurs. Ensuite, j'ai sélectionné la jungle. Là, ça, c'est fatigant. Hein? Ça, c'est ma perche quand je filme plein bureau, on va l'enlever. Je viens juste de m'en rendre compte. Désolée. Ensuite, j'ai sélectionné encore une fois la jungle. J'ai pris les deux jungles. Vous voyez bien, oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris le petit garçon dans l'eau qui, d'après moi, navigue sur la rivière. Et j'ai aussi sélectionné celui-ci, la petite fille avec tous ses animaux. Donc voilà pour le Luna. Ensuite, ben, comme je vous ai dit, hein, ça m'a fait débloquer pour Maria Troll. Donc, j'en ai choisi dans les autres livres. Et j'ai choisi celui-là, bien sûr. J'ai envie de m'inspirer un petit peu de Muriel qui avait déjà fait ce colo-là. J'ai envie de faire mon lapin en chocolat. Moi aussi, je trouvais que c'était une bonne idée. J'avais adoré sa version. Donc, je vais probablement m'en inspirer. Ensuite, on achève, là. Il reste de Anna Carlson et quelques livres qui sont pas, ben, qui sont plus, je dirais, édition Amazon. Ensuite, dans mon Drumreads, j'ai sélectionné cette page-là et ça fait plusieurs fois que je vous la montre et je ne la fais jamais. Donc, j'aimerais bien la faire ce mois-ci. Et j'ai aussi sélectionné celui-là parce que j'ai envie de faire de l'eau au Derwent Intense. Donc voilà pour le Drumreads. Là, j'ai un petit papier qui est tombé, mais je sais c'est lequel. C'est le colo que je veux toujours faire, que je fais jamais. On va remettre le petit papier. Voilà. Ensuite, dans le Flora, j'en ai sélectionné deux et j'ai sélectionné celui-ci parce que j'ai envie de compléter l'image pour aller avec l'image d'à côté. Je vais me servir des mêmes couleurs. Et ensuite, j'ai sélectionné la petite fille sur le champignon. Donc, voilà.
Ah, c'est dans Anna Carzon. Comme je vous dis, j'en ai sélectionné beaucoup dans mon Magic Cooldown, mais c'est plus pour rattraper le retard que j'ai pour Colorion Magic Cooldown ensemble dessus Instagram. Mais je vous les ai déjà montrés. Donc, il y a celui-là, là, c'est dans le Summer Night. Vous savez que celui-là, je l'avance au maximum cette année. Donc, j'essaie d'y aller à tous les mois. Je vais faire ma page de nom. Je vais essayer, du moins. Parce que, ben, hein, si je vais avancer ce livre-là, il faudrait bien que je fasse la page de nom. Ensuite, j'ai sélectionné quoi? Ah oui, la sauterelle, parce que j'ai envie de faire un ciel de nuit et faire m'amuser à faire les fleurs. Donc, voilà. Et j'ai aussi sélectionné les tournesols. Voilà. Et là, j'ai vu que Morgane, elle avait sorti son Spring Challenge. Donc là, je vais voir dans ma pack ce que j'ai qui pourrait fonctionner pour, ben, pour participer à son challenge. Donc, je vais voir ce que j'ai et puis ben, je verrai combien de colos j'aurai fait. Habituellement, j'essaie toujours de faire les 10 colos, mais là. Ce mois-ci, j'ai colorion ensemble. Je dois vous faire un Kirby Rosanne en vidéo. Ensuite, j'ai beaucoup de tutos aussi que j'ai préparé, que je veux vous faire. Donc, j'y arriverai pas, là. Ça va être impossible. Donc, qu'est-ce qui va rentrer dans son challenge? Ben, je vais le publier, puis j'aurai fait, le niveau que j'aurai fait. Voilà. Ensuite, pour le Spirit Animal, j'en ai sélectionné un parce que ça fait super longtemps que j'ai envie de le mettre en couleur et c'est celui-là, là, j'ai du soleil. Et oui, je fume dans la journée. Donc, voilà, j'ai sélectionné celui-là. C'est tout pour le spirit animal. Ensuite, dans le season, j'en ai sélectionné deux. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, les petits poussins. Voilà, j'essaie de vous montrer ça, le soleil. Les petits poussins ici, j'ai bien envie de les mettre en couleur. Et oui, je sais vrai. Je vous avais invité à faire la page ici avec moi. Si vous êtes dans la banque Colo d'Azur, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on fasse cette page-là pour Pâques. Vous prenez le temps que vous voulez. Hein, si vous n'avez pas le temps de la faire ce mois-ci et que vous avez envie de la faire avec moi, ben je vous invite parce que c'est certain, moi, qu'elle va être mise en couleur. Ça va être mon colo de Pâques. Donc voilà pour le season. Là, j'essaie de ne pas faire tomber ma pack. Ensuite, j'ai encore repris ce livre-là. Je n'ai toujours pas colorié dedans, mais là, j'ai sélectionné mon colo préféré. La petite fille et la grenouille, donc on verra. Est-ce que je vais y aller? Je sais pas. Ça fait 3 mois que je le mets dans ma pack, je ne colore jamais dedans. Ensuite, ben, j'ai sélectionné, bien sûr, mon Jasmine Beckett Griffith. Le mois passé, je n'avais pas eu le temps de colorier dedans, donc j'aimerais bien en faire un. J'ai sélectionné la petite fille avec son dragon. Ensuite, celle-ci avec les papillons. Hein, vous vous rappelez, le mois passé, je vous l'avais montré et j'avais envie de la faire. Je suis désolée, je reçois des messages en même temps que je fais la vidéo, fait que je suis tentée de les lire. Et j'ai sélectionné aussi celui-là qui, je crois, pourrait rentrer dans le challenge de Morgane, justement, parce que je sais qu'il y a une catégorie où est-ce qu'il faut faire un ciel orageux. J'essaie de vous montrer ça bien. Et j'ai une très bonne idée pour celui-là. Donc, probablement qu'il va être mis en couleur. Il va pouvoir, en plus, entrer dans le challenge de Morgane. Donc, ça, c'est génial. Ensuite, j'ai ressorti mon White Soul de Gracia Salvo parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été dedans et je me rappelle que je m'amuse trop à les colorier. Donc, j'ai pris celui-ci avec le hibou. Il me fait un petit peu peur. Donc, peut-être que je vais faire. Si ce n'est pas le hibou, ça va être. Je vous montre. Un qui me fait un petit peu moins peur. Où es-tu? Celui-là avec les. Oups! Celui-là avec les petits canards. Et puis en plus, ça pourrait rentrer dans le thème. Donc, j'hésite entre les deux. On verra. Et on verra aussi si j'irai dedans. Ensuite, bien, je ne sais pas si j'ai oublié. J'ai un Happy Mail aussi à vous sortir. Et là, il y a ce livre-là dedans. Donc, je vais essayer de sortir le Happy Mail avant cette vidéo-là. Je vais essayer. Parce que des fois, je tourne tellement de vidéos à la suite. Sur, mettons, je vais faire 3-4 jours en ligne de vidéos. Et là, ben, mon mari, lui, monte toutes les vidéos la fin de semaine. Puis là, il me sort tout ça en même temps. Donc là, des fois, je ne sais plus là, dans quelle heure je les ai tournées, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que des fois, vous voyez des choses, mais c'est pas censé être avant les autres vidéos qui ont été faites. Mais bon, vous allez voir, il y a un Happy Mail qui s'en vient sur ma chaîne si
Je l'ai déjà sorti, je suis désolée, vous l'avez vu. Mais sinon, vous allez voir que dans le Happy Mail, il y a ce livre-là que j'ai découvert sur la chaîne de Simone Collard, que j'adore. Ça fait pas longtemps que je l'ai découvert. Là, je suis en train de reprendre mon retard sur ses vidéos parce qu'elle est très intéressante, cette dame-là. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la rejoindre, à aller voir ses vidéos-là. Elle a toutes sortes de trucs. Elle fait des tutos. Je vous dis, là, elle connaît beaucoup de choses. Donc, allez voir ça. Donc, elle avait fait un tuto justement sur ce livre-là, et ça, c'est de Molly Harrison. C'est le 100 illustrations du color, Big Fantasy Coloring Book in Grayscale. Et moi, j'adore, vous savez, faire des univers féeriques, et c'est que ça qu'il y a dedans. Par contre, c'est un grayscale assez foncé, mais Simone, elle donne des trucs pour le faire, et moi, j'ai bien envie de tenter l'expérience. Elle a mis celui-là en couleur et j'adore sa version. Je vais probablement le mettre en couleur. Là, je vous montre ce que j'ai sélectionné en même temps que je vous parle. Donc voilà, la dame avec le loup, j'adore. Et je vous ferai probablement moi aussi une vidéo pour vous montrer comment moi je vais les mettre en couleur. Oui, j'ai regardé la vidéo de Simone, mais moi j'ai une autre petite idée. Donc je vais probablement vous faire une vidéo là-dessus aussi ce mois-ci. J'ai un mois chargé. Donc, bien sûr, mon Annaline, je le mets à tous les mois dans ma pack et à tous les mois j'avais dedans. J'ai sélectionné la petite lapine. Donc, voilà pour ma pack du mois. C'est une grosse pack. Je n'aurai probablement pas le temps de colorier tout ça. Surtout si je m'aventure dans un Kirby Roseanne. C'est pourquoi aussi dans mon Kirby Roseanne que je vais vous faire en vidéo, j'ai choisi que des pages simples. J'avais pas trop envie de m'aventurer dans une double page en vidéo parce que le montage va être long, puis tout ça. En plus de colorier ensemble, des tutos et puis tout le reste sur la chaîne. Donc, ben, c'est ça. Je sais pas combien de colos je vais faire ce mois-ci, mais j'ai un gros mois chargé. En plus que je veux participer au concours pas Mélissa, j'ai tout Mélissa, de Morgane. Et je vais aussi, bien sûr, participer au thème de Mélissa. Je sais qu'elle le fait sur Pâques. Bon, ma pack, c'est certain qu'il va trouver un colo à lui partager. Mais à chaque mois, je fais toujours le thème de Mélissa. Donc, j'ai tout ça à faire. Donc, on verra ce qui va être fait dans la pack et ce qui ne sera pas fait. Voilà. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez toujours participer au concours des 2000 abonnés. Le live aura lieu le 2 mai à midi, heure du Québec. Je crois que pour l'Europe, c'est dans les alentours de 17 ou 18 heures. Vous avez qu'à calculer 6 heures de décalage. Voilà. Là, je ne sais pas si vous avez avancé votre heure ou on avançait ou on reculait. On reculait l'heure. Non, on avançait. C'est ça. Je ne sais pas si vous l'avez avancé, mais si vous ne l'avez pas avancé, c'est 5 heures. Si vous l'avez avancé, c'est 6 heures. Donc, voilà. Donc, vous pouvez participer au concours. Pour ceux qui ne peuvent pas être présents au live, ben, vous savez que vous n'avez qu'à écrire sous la vidéo. Je vous la mets en bas, dans le petit. Moi, quand je veux parler trop vite, je vous la mets dans le petit i. La vidéo, si vous ne l'avez pas vue et que vous avez envie de participer au concours. Voilà. Donc là, moi, je vais m'arrêter là parce que quand je commence à déparler, c'est une catastrophe. Donc, j'espère que ma pack vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.